Amen. Jesus. Seigneur. Considérez, frère, que parmi vous, qui parlant aux frères, les croyants dans l'Église, ceux qui sont enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, il dit, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous sommes appelés dans le royaume et nous faisons partie de l'Église. Nous faisons partie du corps de Christ. Maintenant, il dit, s'il y a une affaire, s'il y a un défi, s'il y a un désaccord, s'il y a quelque chose entre nous et un autre frère, une autre sœur, quelqu'un de vous, frère, quelqu'un de vous, saint, quelqu'un de vous, membre de l'Église du Dieu vivant, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les tribunaux? Est-ce que nous devons le faire? La réponse est non. Revenons à ce chapitre 6, du verset 1. Disons par exemple, dans une famille, vous avez un problème avec votre papa. Votre père terrestre, vous n'irez pas au tribunal pour dire que j'ai un problème contre mon père. Disons par exemple, tu as quelque chose contre ta mère. Comme membre de la famille,
tu es blessé parce que ta mère a fait, mais tu ne vas pas aller au tribunal pour dire aidez-moi à régler ça dans la famille, je dois conduire maman au tribunal. Tu ne peux pas le faire. Ton petit frère, ta petite soeur, ou bien tes grands frères dans la même famille, tu as un problème contre eux. Et au lieu de parler à papa ou à maman pour résoudre le problème, tu dis non, tu vas au tribunal. On ne le fait pas normalement. Alors les croyants ne doivent pas le faire. Ceux qui connaissent le Seigneur ne le feront pas. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas le faire. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes mère, vous êtes père. Et l'un de vos enfants, et cet enfant, a mal agi. Il s'est engagé dans des choses terribles. Et cet enfant, d'une manière ou d'une autre, vous a surpris. Est-ce qu'en tant que mère, conduire votre enfant au tribunal, en tant que père, est-ce que vous allez conduire votre enfant au tribunal? Voilà pourquoi le Seigneur nous pose la question. Si nous ne le faisons pas dans la famille humaine, comment osez-vous le faire dans la famille de Dieu? Laissez-moi vous poser une question. Qui est plus proche de vous? Votre enfant ou votre mari? Votre mari ou votre enfant? Qui est plus intime à vous? Votre enfant ou votre épouse? Si vous n'allez pas conduire votre enfant au tribunal, si vous n'allez pas conduire votre fille au tribunal, si vous n'allez pas conduire votre fils au tribunal, quand est-ce que vous allez conduire votre mari au tribunal? Si le mari est plus proche, intime que le frère et que le fils, que la femme est plus proche de vous que votre enfant, est-ce que vous allez conduire votre mari ou votre épouse au tribunal? Si vous n'allez pas conduire votre fils ou votre fille au tribunal, il est très clair donc ce que Dieu nous enseigne. Comment résoudre nos problèmes? Comment résoudre nos conflits? C'est pourquoi nous venons à ce chapitre aujourd'hui avec la compréhension que si nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes membres de la famille de Dieu, il y a des choses que nous n'allons même pas penser faire. Il y a des directions dans lesquelles nous n'allons pas penser aller en résolvant les problèmes dans nos familles et les problèmes dans nos vies. Le thème que nous considérons intitulé « La résolution des conflits parmi les saints par les normes bibliques ». La résolution des conflits parmi les saints par les normes bibliques. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la justice définitive parmi les saints par les bergers remplis de l'esprit. Nous avons des bergers, nous avons des dirigeants et nous avons des pasteurs dans l'église. Le jugement destiné au péché contre les normes bibliques. Le jugement destiné au péché contre les normes bibliques. Troisième point. La justification divine des saints soumis par le Sauveur. Nous venons comme pécheurs au Seigneur. Nous nous repentons de nos péchés. Et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il nous pardonne, il change nos vies, il nous purifie, nous sommes convertis et maintenant nous devenons des saints soumis au Seigneur, le Sauveur. Maintenant il nous donne la justification. Cette conversion apporte la justice et la nouvelle vie, la justification dans nos cœurs, dans nos vies. Et nos noms entrent dans le livre de vie en tant qu'enfant de Dieu. Ensuite, après cela, nous marchons selon les normes des Écritures, selon les normes de la parole de Dieu. Je prie que Dieu donne à chacun de nous la grâce pour quel que soit ce qui se passe à tout moment, dans n'importe quel domaine, contre qui que ce soit, en tant que saint justifié, enfant de Dieu, que nous vivons selon la parole de Dieu,
par les normes de la parole au nom de Jésus. Je crois que l'Église va me donner un grand amen. Le premier point maintenant, la justice décisive parmi les saints, par les bergers remplis de l'Esprit. 1 Corinthiens au chapitre 6, lisons pas du verset 1. On dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, aussi plaider devant les injustes et non devant les saints. Verset 6. Mais un frère plaide contre un frère. C'est-à-dire, dans l'église de Corinthe, quelque chose qui leur arrivait, un conflit, une querelle, un désaccord, au foyer, dans la famille, au service, ou même parmi eux, comme ils étaient dans la communion des croyants, ils se levaient, ils allaient au tribunal. Voilà pourquoi il dit, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, devant les injustes, que cela n'est pas juste pour vous, pour moi, et pour qui que ce soit. Voyons trois choses ici. Premièrement, c'est le péché de résoudre les conflits des saints devant les tribunaux du monde. Devant les tribunaux du monde. Nous allons vers eux et ils résolvent pour nous. De telle manière ou de telle manière. C'est un péché. Lorsque quelqu'un le fait, vous pouvez le faire pour avoir de l'argent. Vous pouvez le faire pour avoir des biens immobiliers. Vous pouvez le faire pour avoir tout ce que vous voulez. Comment ils appliquent le jugement au tribunal, quel que soit le verdict que vous avez au tribunal et quels que soient les gains que vous pensez avoir obtenus, vous avez perdu votre relation, votre interaction et votre communion avec le Seigneur. Vous devenez un pécheur, un rétrograde. Quel que soit ce que vous obtenez de ce jugement, le péché de résoudre les différends, les conflits des saints devant les tribunaux du monde. Deuxième élément, la supériorité du conseil des saints justes au-dessus de la compréhension du monde. Le monde ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas Christ. Il ne comprend pas les chrétiens et il ne comprend pas la communion que nous avons avec Christ, avec Dieu, dans le Saint-Esprit et les uns avec les autres. Ainsi donc, la parole de Dieu est supérieure à toute loi, supérieure à toute chose que vous pouvez avoir dans les tribunaux ou devant la tribunal de mon parce qu'ils ne peuvent réellement pas comprendre la voix de Dieu ou la pensée de Dieu. Troisième élément donc, le règlement des différences sérieuses rapportées par des conseillers sages. Le premier élément dans le premier point, c'est le péché de résoudre les différends, les conflits des saints devant les tribunaux du monde. Revenons à 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Il dit, quelqu'un de vous voulant aller au ciel, quelqu'un de vous voulant garder sa relation avec Dieu, quelqu'un de vous voulant demeurer un vrai enfant de Dieu, un pèlerin en marche pour le ciel, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, un différend, quel que soit le problème, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une relation entre mari et femme, ça peut être quelque chose sur lequel vous êtes en désaccord avec un frère ou avec une soeur, peut-être personnel, ou bien ça peut affecter d'autres personnes autour de vous. Tout de même, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes au tribunal et non devant les saints? Matthieu au chapitre 18. Ce que le Seigneur nous a commandé de faire en Matthieu 18, lisons pas de verset 15. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, ce frère a pu être un mari, ce frère peut-être simplement un autre frère ou peut-être une sœur, ton épouse, quel que soit le frère, peut-être un ouvrier de l'église, peut-être un dirigeant de l'église ou peut-être un membre ordinaire de l'église. Toutefois, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
ne dis pas. Il ne va pas m'écouter. Il n'écoute jamais. Ne dis pas. Je suis trop petit pour le confronter. Ne dis pas. Je ne peux pas vraiment bien m'exprimer. Je ne sais pas comment parler. Ne dis pas. Hein. Si je me rapproche de lui maintenant, et quand il va parler, il va me faire sentir que j'aurai honte. Et je vais me demander même pourquoi je suis allé là-bas. Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Non. Jésus a dit, tu ne dois donner aucune de ces excuses. Ton frère a péché contre toi. Ta sœur a péché contre toi. Va et parle-en avec lui. Entre toi et lui seul. Ne dis pas. C'est ma faute. Pourquoi est-ce qu'il va lui en parler? C'est moi qui suis allé vers lui, non? C'est moi qui suis allé vers elle, non? Je suis coupable moi-même. Mais tu es en train de brûler à l'intérieur. Tu es préoccupé à l'intérieur. Tu dois aller lui en parler. Lui dire ce qu'il a fait entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Faut pas aller au tribunal entre toi et lui seul et vous régler toutes choses. Maintenant, verset 16. Verset 16 dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Ça, ce sont les directives du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est comme ça nous réglons les conflits entre nous et les frères. N'importe quel frère. La femme ne va pas aller vers ses parents et rapporter pour dire de juger. Ça, c'est une forme de tribunal. Et le mari ne va pas aller vers ses parents et commencer à rapporter l'épouse. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Je n'ai jamais espéré cela. Comme tu es en train de rapporter tes parents, déjà tu es en train de leur dire de juger. Ça, c'est une forme de tribunal. Tu n'iras pas vers tes voisins. Tu n'iras pas vers tes amis. Et tu sens de leur dire ce qui se passe à la maison. Tu dois lui en parler. Tu dois le lui dire directement. Si c'est les affaires qui vous ont réunis et peut-être ils ne te donnent pas tes droits, tu ne vas pas en raconter à tout le monde. Tu ne vas pas mettre ça sur la plateforme de WhatsApp et tu écris là-bas et tu lances ça partout là-bas et tu dis aux autres personnes. Tu es en train de dire au monde de juger l'autre et tu es en train de dire à ceux qui sont dans cette plateforme de le juger. C'est ça, c'est une forme de tribunal. Et ces gens-là, sans même lui donner une chance de s'exprimer ou de s'expliquer, ils sont en train de juger. Et tu as ajouté des choses pour rendre tes explications comme c'est toi qu'on triche, que c'est toi le malheureux, c'est toi qu'on traite mal. Nous ne devions pas le faire. Revenons à aux paroles de Jésus-Christ. Si nous suivons le Seigneur, il dit, s'il ne t'écoute pas, alors, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Maintenant, s'il ne les écoute pas, et si c'est une personne difficile, et si c'est une personne vraiment dure de caractère, c'est quelqu'un qui n'écoute personne, il est rempli de lui-même. Il n'a jamais tort. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Et il ne voit rien de mauvais dans ce qu'il a fait. Jésus nous dit, notre Seigneur, notre Sauveur nous dit, la chose suivante à faire. Verset 17, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dis-le au leadership de l'Église. Si tu fais partie de l'Église, tu dois respecter l'Église. Tu dois honorer l'Église. Tu dois respecter le leadership de l'Église. Tu dois regarder au leadership de l'Église. Tu dois faire confiance au leadership de l'Église. Et Jésus-Christ dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ reconnaît son Église. Et il dit, si tu lui as dit entre vous deux et qu'il ne t'a pas écouté, ne va pas au tribunal. Et si tu as appelé une ou deux personnes et qui ne les a pas écoutées, ne saute pas pour aller au tribunal. Il dit maintenant, tu dois en parler à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, maintenant s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
Maintenant, vous comprenez que vous ne traitez pas avec un croyant. Vous ne traitez pas avec un juste. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit après cela? Quand cela s'est passé, est-ce qu'il a dit aller au tribunal? Parce que j'ai fait le pas 1, pas 2, pas 3. Maintenant, je suis justifié. Si je vais maintenant au tribunal, non, pas du tout. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Si te gifle sur une joue, tourne l'autre joue. Nous allons dans le royaume de Dieu et nous voulons entrer dans ce ciel glorieux. Finalement, maintenant, si te force de faire un pas suivant, fais avec lui deux. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit. S'il n'a pas écouté l'église et qu'il se comporte comme quelqu'un qui veut tricher, qui veut faire de toi ce que tu n'es pas, tu dois courir pour aller au tribunal. Il dit non. Il dit, si prends ton vêtement, remets-lui un autre vêtement. Laisse-toi tricher et confie ton dossier entre les mains de Dieu. Je prie que Dieu nous accorde la grâce au nom de Jésus. Amen pour la grâce de Dieu dans ta vie. Deuxième élément dans le premier point, la supériorité du conseil des saints justes au-dessus de la compréhension du monde. En 1 Corinthiens chapitre 6, lisons le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il pose une question. Il dit, vous devez comprendre que les juges de ce monde, leur jugement et leur position et leur autorité et leur verdict prennent fin dans ce monde. Il dit, les juges de ce monde maintenant, dans tous les tribunaux, dans tous les pays du monde, une fois qu'ils quittent cette terre, ils ne seront plus des juges. Quand ils seront de l'autre côté, dans l'au-delà, ils ne seront plus des juges ni des avocats, dans l'au-delà, dans l'éternité. Mais il dit, ne savez-vous pas que les saints de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, que nous sommes au-dessus, nous sommes plus élevés que les juges et les avocats de ce monde. Ne savez-vous pas? Les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, si le monde est jugé par nous, croyants, enfants de Dieu, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? De quoi parlons-nous? Est-ce que c'est une parcelle, une petite affaire, des différents entre toi et tel frère? C'est un moindre jugement comparé à votre héritage, comparatif à votre communion avec le Seigneur, comparativement à toutes les provisions de Dieu pour vous, comparativement à tout à votre héritage en Christ. Toutes les choses sur lesquelles on discute, je veux ci, je veux cela, je dois avoir ceci, je lui arracher ça, je dois lui arracher cela, je ne lui permettrai pas d'aller avec tout ça, et que je vais me tricher moi-même, je ne lui permettrai pas de s'en aller avec ça, et je ne vais pas avoir mes droits. Il dit, ça fait pas des moindres jugements. C'est des choses qu'on ne peut pas comparer au ciel. C'est des choses qu'on ne peut pas comparer à la paix de Dieu dans ton cœur. C'est des choses qu'on ne peut pas comparer aux promesses de Dieu que vous avez. Parce qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors tu ne vas pas aller vers une ONG, tu ne vas pas vers les gens qui sont qui combattent pour les droits humains. Le Seigneur dit, si tu es enfant de Dieu, il t'a fait sortir de tout cela. Il t'a sorti du monde et tu appartiens totalement au Seigneur. Et ton dossier repose entre les mains de Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Voyons le verset 3. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Voyez cela. Il dit, pensez à tous les tribunaux du monde. Aucun juge du monde ne sera appelé à juger les anges. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous, qui sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit, nous serons les juges des anges. Maintenant, et si nous allons juger le monde, à plus forte raison, les choses de cette vie. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur est en train de nous dire
quand nous serons finalement dans le royaume, la haute position que nous aurons et l'autorité supérieure que nous aurons, nous ne devons pas jouer avec ça. En ce moment, le Seigneur lui-même nous a élevés. Nous n'allons pas nous rabaisser dans les choses du monde au nom de Jésus. Laissez-moi entendre votre amen. Troisième élément dans le premier point, c'est le règlement des différents sérieux rapportés par des conseillers sages. Nous réglons nos problèmes. Maintenant, si vous croyez à la Bible et qu'il croit la Bible, si elle croit la Bible et que toi, si tu crois la Bible, très simple, voici un problème de désaccord. Tu penses de telle autre manière, elle pense aussi de telle autre manière. Maintenant, vous venez ensemble. Si vous ne connaissez pas le verset auquel faut vous référer quand vous venez voir votre dirigeant, quand vous venez voir votre conseiller, quand vous venez voir ceux qui connaissent suffisamment la parole de Dieu pour vous amener à Christ et pour vous amener à demeurer en Christ, pour vous aider à vivre en Christ, et ils ont assez de connaissance de la parole de Dieu pour connaître la pensée de Christ, car nous avons la pensée de Christ. Ils connaissent le message de Christ. Alors, s'ils ont assez de messages pour vous faire passer d'ici au ciel, pourquoi ne peuvent-ils pas résoudre les autres problèmes que vous avez? Pourquoi ne peuvent-ils pas régler les autres problèmes qui doivent être réglés? Voilà pourquoi il dit, en 1 Corinthiens chapitre 6, lisons par du verset 4, « Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens pour les choses de cette vie. » C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, quelles que soient les choses de cette vie. Tout ce qui se rapporte aux choses de cette vie. Et pourquoi les gens vont-ils au tribunal? Les choses de cette vie. Peut-être, comme je l'avais dit, peut-être une parcelle, peut-être des biens. Peut-être que vous avez une possession donnée et vous dites qu'il ne doit pas avoir ça. Ça doit être ma possession. Peut-être que vous dites, il essaie de voler cela de moi. Il y a beaucoup de choses qui se rapportent à cette vie. Quelle que soit la chose, ça n'amènera pas au ciel. Le ciment, le sable, les pierres, les briques, les ustensiles, tous les biens, quel que soit ce que vous n'allez pas vouloir amener au ciel. Si c'est là où le désaccord se trouve, si c'est là, si vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Je ne peux pas atteindre les dirigeants. Il y a les moindres dans l'Église. Il y a un frère de l'Église là-bas. Il y a une sœur dans l'Église là-bas. Et vous ne rapportez pas pour dépeindre mal l'autre. Non, vous expliquez, j'ai tel défi, je voulais résoudre avec mon frère, avec ma soeur. Et tu ne le fais pas dans la colère, tu ne fais pas avec un esprit de jugement. Peut-être que j'ai tort, bien il a tort. Mais je veux que quelqu'un nous aide à voir l'affaire et résoudre le problème. Pendant que tu résous le problème, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas retenir des informations, tu ne vas pas ajouter une information qui ne fait pas partie du problème. Tu dois t'attacher au problème tel qu'il est. Et tu le dis intelligemment. Et tu le dis de façon convaincante. Et tu le dis bien suffisamment pour que l'autre personne d'être d'accord. Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. Ou peut-être, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord, j'ai tort. Tu peux me corriger sur tel autre aspect. C'est avec un tel esprit dans l'amour. C'est avec un tel esprit dans la sincérité. C'est avec un tel esprit dans l'honnêteté, c'est avec un tel esprit, voulant que la vérité soit révélée, pas que je dois gagner cette affaire, je dois avoir foulé au pied sur lui, je dois l'avoir dans cette affaire, je dois avoir le dessus. Tu n'y a rien de pareil dans ton esprit. Tout ce que tu veux, c'est que la vérité
éclate. Tout ce que tu veux, c'est que la volonté de Dieu prévale. C'est comme ça qu'il faut régler les différends. Quand vous venez avec un esprit libre, quand vous venez avec un esprit purifié, avec un cœur sanctifié, quand vous venez avec un esprit doux, et vous n'êtes pas si orgueilleux et pompeux, et vous voulez opprimer les autres. Parce que c'est exactement ce que vous dites que l'autre personne fait. Et vous ne devez pas être coupable de cela. Alors, quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Verset 5, il dit, « Je le dis à votre honte. » L'apôtre Paul parlait à ses enfants, « Enfants dans le Seigneur, et dit, « Corinthiens, j'ai honte de vous. Vous ne connaissez pas suffisamment pour endurer les petites choses qui se passent. Vous portez vos sentiments et vous courez vers le monde pour que le monde juge votre frère, votre soeur, votre mari, votre épouse ou vos enfants ou quiconque pour vous. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Vous dites que vous avez les dons de l'esprit et vous prétendez connaître les choses des mystères du royaume. Est-ce qu'il en est ainsi? Il n'y a pas un seul homme sage qui puisse vous prétendre avoir la parole de connaissance de sagesse. Vous prétendez avoir le discernement des esprits. Vous dites que nous sommes au-dessus des autres églises dans les dons spirituels. Il en est ainsi. Alors, il n'y a pas un seul homme sage, un croyant sage parmi vous. Vous prétendez avoir la foi, vous prétendez avoir la pensée de Christ, vous prétendez être prêt dans la vie. Mais vous allez vers les autres, ceux qui n'ont même pas Christ, ils n'ont même pas le salut, ils ne professent même pas le salut. Maintenant, vous allez vers eux pour résoudre vos problèmes pour vous et dit non. N'y a-t-il pas un homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Maintenant, il dit dans le verset 6, mais un frère plaide contre un autre frère au tribunal. Un mari va au tribunal contre sa femme. La femme va au tribunal contre son mari. Et les enfants prennent leurs parents au tribunal vers le monde pour les juger. Maintenant, il dit, je ne veux pas être victime. Ils sont en train de faire de moi une victime. Ils font ceci ou cela. Par conséquent, je dois résoudre cela. C'est bon de résoudre. Mais comment résous-tu? Est-ce que tu résous avec les gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas la compréhension et les normes des Écritures et qui n'ont pas les moyens par lesquels les croyants sont examinés, les croyants sont évalués? Et le frère va au tribunal contre un frère, et cela devant les infidèles. Le Seigneur dit, ce n'est pas juste. Nous devons nous rassurer que nous soyons sages selon la parole de Dieu. Et nous devons être sages comme nous suivons les normes de la parole de Dieu. Il nous dit en 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, lisons le verset 15. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, sage à salut. D'un enfant, tu as connu les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Il parle à Timothée. Il dit, Timothée, depuis ton enfance, tu as connu les saintes écritures. Et les saintes écritures que tu as entendues depuis ton enfance sont capables de te rendre sage à salut. Et le salut est plus grand que toute autre chose que vous cherchez, que toute autre chose sur laquelle vous argumentez, toute autre chose que vous essayez de réclamer. Alors, voyez des gens qui disent qu'ils sont en Christ depuis leur enfance. Et ils diront, oh, quand il n'y a pas de problème, quand ils parlent à leurs amis, et parle à leurs frères et sœurs, vous savez, oh, je connais tout cela, je connais les Écritures.
parce que je suis dans cette église depuis mon enfance. J'ai été sauvé comme un enfant. Ensuite, j'ai été au primaire, j'étais en Christ. Au cours secondaire, j'étais en Christ. Et maintenant, je connais les Écritures. J'étais à l'université, j'étais toujours dans le Seigneur. Et maintenant, j'ai la sagesse des Écritures. Maintenant, je suis marié. Maintenant que je suis marié, il y a un problème maintenant. Et tu as connu les Écritures dès ton enfance. Est-ce que toutes les Écritures que tu as connues depuis ton enfance, dans le Seigneur, dans l'église des enfants, maintenant tu es un adulte, maintenant tu as un problème, maintenant tu as un souci et tu cours vers le tribunal. Comment est-ce que cela est compatible avec tout ce que tu disais, les Écritures que tu as connues, les normes que tu as depuis ton enfance? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, les Écritures nous rendent sages. Les Écritures nous conduisent à la sagesse. La sagesse pour résoudre les problèmes. La sagesse pour vivre selon la parole de Dieu. Maintenant que vous êtes sages au salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Verset 16, il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute Écriture. Vous trouvez votre solution là-bas. Toute Écriture, vous trouvez votre réponse là-bas. Toute Écriture, vous trouvez votre résolution, comment résoudre les problèmes là-bas. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, les membres de l'Église, celui qui est dans les eaux profondes ou celui qui a des défis maintenant pour que cet enfant de Dieu soit accompli. Quand vous allez au tribunal avec votre mari ou avec votre épouse, vous allez au tribunal avec un autre frère. Ça, ce n'est pas la perfection. Vous ne voulez pas que Christ vous rencontre comme ça. Il reviendra encore. Il viendra à tout moment. Il viendra. Et c'est très bientôt, son retour est imminent. Vous n'allez pas vouloir qu'il vienne, vous voyez en train de traîner une affaire au tribunal. Ça, c'est pour la perfection, la parole de Dieu qui nous parvient et avec laquelle nous résolvons nos problèmes. Nous rend sages, parfaits, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Accomplis et propres à toute bonne œuvre. Je prie que cette parole soit pratique dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Et quelque chose que le Seigneur a corrigé dans nos vies, peut-être tu planifiais faire quelque chose de cette manière, ou peut-être tu es déjà dans le processus de faire quelque chose comme ça au tribunal, ou peut-être tu es déjà au tribunal, peut-être le tribunal, ou bien ta cour, ton tribunal dans ton groupe WhatsApp, et tu veux rapporter notre frère, et tu es en train de donner des détails déjà par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, par rapport à l'église, par rapport à un membre de l'église, et tu es en train de mettre ça sur la plateforme dans les réseaux sociaux. Et déjà, on juge des gens, ils font déjà leurs commentaires. Comment quelqu'un peut faire ça? Comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Ils sont en train de condamner ce frère ou cette soeur pour toi. Et maintenant, tu dis, hein, voilà, je vais amener le monde, les réseaux sociaux, le crucifier et que tout le monde sache qu'il n'est pas un bon homme, qu'il n'est pas une bonne femme. C'est exactement ce que le Seigneur a dit que nous ne devrions pas faire. Si tu amènes ton dossier, ton affaire vers le monde comme ça, reviens et ramène autre lait de l'homme. Dis-leur, je sais comment régler mon problème. Tout va bien maintenant, tout ira bien au nom de Jésus. Deuxième point. Le jugement destiné au péché contre les normes bibliques. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Maintenant, c'est déjà certes un défaut chez vous. Il n'y a aucun doute en cela, Corinthiens. Quand vous le faites et vous allez au tribunal, vous avez des procès les uns contre les autres, de toute évidence, il y a un défaut chez vous. C'est un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas
plus tôt. Pourquoi ne pas faire comme Abraham? Lot a pris cette partie, la meilleure partie. Et je vais prendre ce qui va rester. Pourquoi ne pas faire comme Joseph? Il ne va pas se plaindre. Il ne va pas rapporter ses frères Potiphar ou à qui que ce soit. Regardez, même quand la femme de Potiphar a menti, un gros mensonge, un mensonge contre Joseph et qui a amené Potiphar le jeter en prison. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas plaint? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit non? Tu ne connais pas ton épouse, hein? Je connais ta femme. Hein? Elle me dérange depuis, hein? Qu'elle veut ceci, qu'elle veut cela. Et je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas plaint de cette manière? Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt? Quelque injustice. Vous prétendez être sauvé et vous n'arrivez pas à endurer quelque chose. Vous prétendez être sanctifié. Vous n'arrivez pas à souffrir quelque chose. Même vous prétendez être baptisé du Saint-Esprit. Et vous prétendez être ouvrier. Vous prétendez que vous êtes même dirigeant de l'église. Maintenant, vous dites, je ne vais pas accepter ça de cette manière avec quelqu'un. À l'endroit, si quelqu'un me fait du mal, même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, ah, je sais comment régler le problème. L'église n'aura rien à faire dans ce temps. Quel est ton problème? Où sont tes expériences? Où est ton témoignage? Où sont les professions que tu fais? Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez vous pas plutôt dépouiller? Maintenant, nous dit dans le verset 8, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Maintenant, il vient envers ceux qui trichent les autres. Il parle de ceux qui oppriment les autres maintenant et qui font des choses contre les autres. Il ne doit pas faire des choses pareilles. Il dit, vous agissez mal et vous dépouillez vos frères. Maintenant, il veut nous dire le résultat de cela. Vous pouvez penser que vous êtes rusé. Vous pouvez penser que personne ne peut vous gérer. Vous pouvez penser que tout ce qu'ils disent là, moi je ferai ce que je veux. Moi je ferai mes choses à ma manière. Je ferai ce que moi je vais faire. L'apôtre Paul, par l'esprit, nous fait comprendre. Voyez le verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes de Corinthe, les injustes se cachent peut-être dans l'église, les injustes peut-être rétrogradent et se cachent sous le fait qu'ils me connaissent dans cette église et je suis dans cette église depuis telle année et on me connaît dans cette église et personne ne peut me gérer. Quel que soit ce que je vais faire, je le ferai. On sait que je ne regarde personne. Moi, je supporte, je m'en fous des conséquences. Oui, on sait comment tu es. Mais est-ce que tu sais que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quel est ton gain? Si tu gagnes un bien immobilier, si tu gagnes un bâtiment, si tu gagnes une maison, tu gagnes 2 hectares de parcelle, si tu gagnes quelque chose que tu veux avoir, et pour toute l'éternité, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, des milliards d'années, et tu es là-bas souffrant en enfer pour toujours et toujours. Toutes les parcelles que tu as obtenues, les biens que tu as eus là, et tout ce que tu as fait avec un visage dur, personne ne pouvait te défier, personne ne pouvait me parler. Quel sera ton gain? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Verset 10, il dit les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous allons voir 3 éléments dans le deuxième point. Premièrement, la révélation pour les saints soumis dans le royaume de Dieu. Deuxième élément, le rejet des pécheurs égocentriques du royaume de Dieu. Troisième élément, la repentance qui permet aux chercheurs soumis d'accéder au royaume de Dieu. Premier élément dans le deuxième point, c'est la révélation pour les saints soumis dans le royaume de Dieu. Quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous y êtes entré parce que vous êtes soumis à Christ. Vous n'avez pas argumenté avec Christ. Vous avez accepté les exigences et les demandes de Christ.
Quand il a dit repentez, vous êtes soumis, vous êtes repenti. Quand il a dit faites demi-tour, vous êtes soumis, vous avez fait demi-tour. Quand il a dit si vous avez volé quelque chose des autres, allez retourner ça au propriétaire, vous êtes soumis et vous avez retourné cela au propriétaire. C'est cette soumission-là, dans la repentance et dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui vous a amené dans le royaume. Maintenant, si vous voulez demeurer dans le royaume, vous ne pouvez pas prendre la dureté de cœur, la rébellion, le rejet et tous les péchés du passé. On ne peut pas les ramener et avoir un fardeau pesant, un fardeau de péché pour dire « j'entre dans le royaume de Dieu ». Non. La manière dont tu es entré, c'est de la même manière que tu dois continuer. Tu es entré par la soumission. Et tu dois continuer dans le royaume de Dieu par la soumission. Tu n'as pas argumenté. Quand il t'avait dit que tu sais que tu es un pécheur, tu ne peux pas te sauver toi-même. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu n'as pas argumenté. Et c'est parce que tu n'as pas argumenté. C'est ça qui a apporté la conversion. C'est parce que tu n'as pas argumenté et tu t'es soumis à la Seigneurie de Christ. C'est pourquoi tu as été sauvé. La même chose maintenant, si tu veux demeurer dans le royaume, tu n'as pas argumenté avec les Écritures, tu n'as pas argumenté avec le Seigneur. Tu n'as pas dit, ah, je suis là depuis 30 ans. Ça, ce n'est pas une blague. Hein? Je suis là maintenant pendant 40 ans hein, dans la vie profonde. Ce n'est pas une blague. Hein? Oh, hein? Tu es là depuis 40 ans. Est-ce que cela te donne le droit, l'autorité, la liberté de changer la parole de Dieu, de modifier la parole de Dieu? Comme tu as duré dans l'église, ça t'a donné l'autorité d'argumenter avec Christ? Non, pas du tout. 40 ans, 80 ans dans l'église ne veut rien dire. Nous devons toujours nous soumettre à la parole de Dieu. C'est ce qui va nous maintenir dans le royaume de Dieu. Matthieu au chapitre 5, verset 39. Matthieu 5, verset 39. Mais moi je vous dis, c'est Christ, il dit, moi je vous dis, sa parole demeure pour toujours, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est ce que Christ a dit. Et c'est lorsque nous soumettons à cela que nous pouvons demeurer dans son royaume. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ne va pas au tribunal, ne va pas devant les tribunaux, ou ne convoque pas tes frères, ta consociété, ton gang contre lui pour dire voici ce qu'il a fait. N'en parle pas à tes amis, peut-être. Des gens qui ont d'autorité et tu sais qu'ils ont quelque chose pour faire du mal à l'autre. Ah, il m'a frappé hein, sur la joue droite, régler le son cas. Jésus a dit non, si tu veux demeurer dans le royaume, tu ne peux pas faire ça. Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi. Si quelqu'un veut plaider contre toi, c'est-à-dire, il ne suit pas la voie de Christ, il ne connaît pas la voie de Christ, c'est lui qui couvre le tribunal. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il dit, ah, je dois avoir ce que je dois. Non, 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 ça c'est mon droit. Et je ne vais pas lui donner cela. Je ne vais pas laisser ça jusqu'à ce que je vois la fin de cette affaire. Je vais prendre ceci. Il n'a pas dit, d'accord. Il a pris un avocat. Toi aussi, prends un avocat. Il va au tribunal. Toi aussi, va au tribunal. Il est en train d'essayer de déchirer la chose de toi. Toi aussi, déchire ça aussi de lui. S'il ne peut pas avoir 100%, s'il faut enlever 50%, toi tu dois prendre 50%. Ça, ce n'est pas l'esprit du chrétien. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'enfant de Dieu sanctifié. Ça, ce n'est pas l'esprit de ceux-là qui sont soumis au Sauveur et qui veulent aller au ciel. Si quelqu'un
cet homme peut être ton mari, si quelqu'un peut être ton épouse, si quelqu'un peut être un voisin, si quelqu'un peut être un frère que tu as rencontré dans l'église, et maintenant vous avez commencé des affaires ensemble. Maintenant, il essaie de te tricher. Il dit, s'il veut prendre ton manteau, qu'il prenne tout. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. C'est quoi ça? Il parle, il veut t'arracher ta liberté. Il veut te dicter ce qu'il faut faire. C'est lui qui te dit toujours, voici ce qu'il faut faire. Je ne peux pas compter dans cette relation-là. Cet homme ne comprend pas. Qu'entre mari et femme, c'est 50-50%. Cet homme est si dur, est si difficile. C'est comme si je suis à la barre. Il dit, voici, c'est comme si je suis dans le camp militaire. Et je n'ai même pas une voix, d'accord? Je sais ce qu'il faut faire. Je vais détruire le mariage. Je vais tout disperser. Je ne serai pas sous lui. Et lui ne sera pas sous moi. Je peux ne pas marier quelqu'un d'autre, mais je vais rester comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ça ce n'est pas l'esprit du chrétien. Et ça ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sur la voie du ciel. Si tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il veut que tu renonces à toi-même de tes droits. Il veut que tu renonces, j'aime si, je veux ça, voilà ici comment j'aime les choses. Si quelqu'un ne me respecte pas, je ne vais pas le respecter aussi. Si quelqu'un ne veut pas m'honorer, je ne vais pas aussi l'honorer. Si elle veut lancer une pierre, moi aussi je vais ramasser la pierre, j'ai aussi une bonne main, je vais lui lancer ça aussi. Non, ça ce n'est pas la voie du chrétien. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Fais-en 2 avec lui. Fais-le joyeusement. Fais-le joyeusement. Il dit, ça c'est la volonté de Dieu. Il t'a amené dans ma vie. Il m'a amené dans ta vie. Et voici les résultats de la volonté de dans ma vie. Je suis là et je suis là. Tu dis, fais 1 000, d'accord, je ferai. Oui, man, je ferai. Après avoir fait 1 000, j'ai dit, est-ce que je suis encore bon? Je suis encore génétique, j'ai encore la force, hein. Je peux encore faire 2. Hein. Tu veux encore d'aide? Ça, c'est la vie du chrétien. Ça, c'est celui-là qui dit, je ne veux pas me battre pour quoi que ce soit. Je ne veux pas argumenter pour quoi que ce soit. Je suis disponible. Je suis là seulement pour une petite durée de temps. Je ferai la volonté de Dieu. Et tu feras la volonté de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un grand amen là-bas? En Romains 12, 17. Romains 12, verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour mal. Vous ne savez pas ce qu'il faisait contre moi, hein, dans la chambre en privé. Hein. Maintenant, c'est mon tour. Je l'ai poussé contre le mur. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu étais à ma position, qu'est-ce que tu feras? Ah, cet homme-là m'a poussé contre le mur. Ah, et je dois répliquer, hein. Je dois combattre pour ma vie, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Certains des hommes sont difficiles, certains des hommes sont difficiles à vivre avec. Il dit alors, vous devez rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Que la querelle ne commence pas par toi. Autant que cela dépend de vous. Que les conflits ne commencent pas par avec toi. Autant que cela dépend de toi. Soyez en paix avec tous les hommes. Il faut 2 pour se battre. Si l'autre dit quelque chose de mauvais, et tu souris, et tu te tais, tu dis, je suis désolé. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé? J'ai fait quelque chose qui t'a amené à agir comme ça. Oh, s'il te plaît, excuse-moi. Oh, j'apprends. Hein. Nous sommes à l'école. Je ne savais pas que ça va t'offenser. Hein. Maintenant, j'ai appris que telle chose t'offense. Et je ne le ferai plus. Que la querelle ne commence pas chez toi. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Même si on te triche, Christ connaît tout. Et il sait. Comment te récompenser parce que tu es obéissant à la parole de Dieu?
Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Quand nous irons au tribunal, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de nous venger. Quand nous allons devant une autorité et nous rapportons la personne et nous parlons mal de la personne, nous disons, bon, je ne sais pas, mais je suis là, je suis en train de souffrir, personne ne regarde ma condition et maintenant, si toi tu peux m'aider, aide-moi à mettre la pression sur lui, nous essayons de nous venger nous-mêmes. Mais il dit bien, mais ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de te venger. La vengeance est à moi. La rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, il dit dans le verset 20, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, il a mangé au dehors. Il a une copine là-bas. Et me voici ici. Je suis comme une esclave au foyer. Il ne me reconnaît même plus. Il ne sait même plus qu'il a une femme. Et il s'en va. Avant qu'il ne rentre maintenant, d'où il dit qu'il travaille, on a sommeil déjà. Et ce jour-là, maintenant, il rentre et il dit, oh ma chérie, qu'est-ce que nous allons manger? Tu as une chérie ici maintenant? Quand tu m'as laissé ici et je souffre ici, qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu n'as pas mangé avec ta concubine là-bas? Est-ce que tu n'as pas mangé avec les gens qui t'amènent dans les restaurants là? Il dit, si ton ennemi, même si tu le regardes comme un ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Tu vas le fondre à la conviction. Et il dit dans le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Et la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu soit si forte en toi, si grande en toi, qu'aucun mal ne puisse dominer la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut une véritable expérience dans le Seigneur. Retourne au calvaire. Ne te bats pas avec lui, ne te bats pas avec elle. Il essaie de faire ci, de faire ça. N'utilise pas les armes charnelles qu'il est en train d'utiliser. Que la grâce de Dieu se lève en toi, afin que la grâce de Dieu soit plus grande que toute chose venant de qui que ce soit dans le monde. Maintenant, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça va arriver. La grâce de Dieu sera plus grande et plus grande dans nos vies au nom de Jésus. Le deuxième élément dans le deuxième point, le rejet des péchés égocentriques du royaume de Dieu. Le rejet des pécheurs égocentriques du royaume de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? L'injuste peut être un prédicateur. On peut lui donner une localité à diriger. Ceux qui lui donnent la localité à diriger ne connaissent pas sa vie. Ils ne savent pas ce qu'il fait à la maison. Et dit, je souffre ici. Regarde notre dirigeant. On lui donne une localité à diriger. Comment est-ce qu'il ne va pas mal se comporter? Puisque tout le monde pense qu'il est un ange. Ne t'en fais pas pour ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui dirige la localité, qui dirige un district, ou bien il dirige un groupe, ou bien c'est un responsable, c'est un évêque, c'est un prophète, quel que soit le titre, quel que soit l'honneur que les gens du monde lui donnent, ne t'en fais pas pour ça. S'il est injuste, s'il opprime autre personne, s'il est en train de tuer une autre personne à la maison, et personne semble ne pas connaître, et il est un ange au dehors, mais c'est un diable dedans, Dieu le connaît, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je prie
que nos vies soient transformées. Nous allons hériter le royaume de Dieu au nom de Jésus. Dites-moi maintenant, quelle est l'utilité et quel est le profit? Quelqu'un travaille jour et nuit. Et il travaille dans l'église jusqu'à pratiquement minuit avant de rentrer à la maison. Tout le monde est fatigué. Et quand il rentre à la maison, il commence à crier sur tout le monde. Il est en colère. Comment est-ce que tu peux dormir quand je ne suis pas encore rentré? Ma nourriture, la nourriture est froide. Comment il peut manger ça maintenant? Tu dis, oh, regarde cet homme-là. Les gens de l'église ne savent pas que c'est comme ça. Ils se comportent à la maison. Hein? Quelle est l'utilité, mon frère? Si tu passes tout ton argent, tu passes tout ton temps, tu passes toute ton habileté, tu dépenses toute ton énergie à l'église. Et les gens pensent que tu es en haut là-bas, mais tu es injuste. Tu es brutal. Tu es cruel. Tu n'as aucun sentiment pour personne à la maison. Si tu meurs, tu iras en enfer. Et toutes les choses que tu as faites en courant par-ci, par-là, dans les activités de l'église, ne te sauveront pas en ce moment-là. Voilà pourquoi c'est bon pour nous de penser, de réfléchir à nos vies. Si la personne que tu dis, avec qui tu vis, ton mari ou ta femme, ne pense pas que tu es un vrai chrétien, arrête tout ce que tu fais. Même si le leadership de l'église ne le sait pas, et le leadership de Dieu, il peut te mettre, s'il te met là-bas, te mettre là-bas. Et la personne la plus proche de toi souffre à la maison, n'est pas contente à la maison. Et dit, oh, ils ne connaissent pas cet homme-là, ils ne connaissent pas la femme-là. Hein. Cette personne-là, elle est un enfant du diable. Si ta femme sent cela à ton sujet, si ton mari sent cela à ton sujet, il vaut mieux laisser toutes ses activités et va régler ça avec le Seigneur pour ta cause. Et règle ça avec la personne avec qui tu vis. Et quand cette personne peut témoigner maintenant, « Oh, mon mari est maintenant un vrai chrétien. Oh, mon épouse est maintenant une vraie chrétienne, une vraie croyante. » Même si personne ne te discipline, discipline-toi. Retire-toi du service et dis, « Je ne veux pas périr. Je ne veux pas continuer à travailler. » Et maintenant, j'opprime des gens autour de moi. Christ peut revenir à tout moment. Je prie que Dieu nous donne la sagesse pour mener une vie de justice et avoir la vraie expérience de l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse 21, voyons le verset 27. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, verset 27. Il dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Je prie que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ton nom ne sortira pas du livre de vie. Mais il faut la repentance, il faut la foi en Christ, il faut la justice. » Parce que si ta justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras point dans le royaume de Dieu. Le troisième élément ici, la repentance qui permet aux chercheurs soumis d'accéder au royaume de Dieu. La repentance qui permet aux chercheurs soumis d'accéder au royaume de Dieu. En 2 Pierre au chapitre 3, 9. 2 Pierre, chapitre 3, lisons le verset 9. Il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mais que tous arrivent à la repentance. Que cet esprit de bagarre te quitte, que cet esprit d'oppression te quitte, que cet esprit qui te fait courir devant les tribunaux, passant des heures avec l'avocat, le juge, pour condamner la personne, cherchant telle pièce, telle évidence, afin de t'aider avec ces pièces-là à condamner la personne, à clouer la personne, que cela arrête. Regarde ta vie et dis, Seigneur, je comprends. Ma vie aussi est comme ça. Ma vie aussi est comme ça. Et quand tu te repens et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la porte du royaume sera ouverte. Et ensuite,
tous les problèmes que tu essaies de régler, le Seigneur va les régler pour toi. Et le Seigneur va t'amener à voir les bonnes choses que tu espères, même plus que ce que tu n'espères, le Seigneur te les accordera au nom de Jésus. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et tout ton héritage, et tout ce que tu veux et que Dieu a pour toi, que Dieu a établi pour toi, tu vas les recevoir, tu vas les avoir au nom de Jésus. Par la repentance et le salut, la foi en Jésus-Christ, il te restaurera dans la faveur de Dieu et il n'y aura plus de bagarre, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus d'engager un avocat contre ton frère ou contre ta soeur, ton épouse ou ton mari. Et maintenant, c'est une vie paisible. Et c'est au milieu de cette paix, la provision de Dieu coulera dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Venons maintenant au troisième point. Troisième point, la justification divine des saints soumis par le Sauveur. Voyons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Il parlait des fornicateurs, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, les cupides et ceux qui ont toutes les œuvres de la chair. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Il y a eu la purification dans le sang de Jésus-Christ, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a le pardon et le salut, premièrement. Il y a la liberté, la sanctification, deuxièmement. Il y a la foi et la fermeté du juste, troisièmement. Voyons ces trois éléments l'un après l'autre. Premièrement, le pardon et le salut des justifiés. Quand vous venez au Seigneur, quand vous dites « Seigneur, je suis désolé, je fais partie de ceux qui ont péché, qui sont privés de ta gloire, maintenant je viens tel que je suis, je me détourne de mes péchés, je me détourne de toujours vouloir faire ce que je veux à tout moment. Je viens maintenant me soumettant, je viens dans l'humilité, je viens dans la repentance. Reçois-moi Seigneur et pardonne-moi. » Si nous sommes pénitents de cette manière, lorsque nous sommes tendres de cette manière, le pardon nous parvient. Le pardon et le salut des justifiés. Il nous dit en Romains au chapitre 3, lisons pas du verset 20. Romains chapitre 3, lisons le verset 20. Il dit ici, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dans le verset 23 maintenant, car voici la condition de tous les habitants de la terre, parce que nous sommes nés par des parents pécheurs, nous sommes nés avec la nature pécheresse. Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Et maintenant, vous faites partie de l'humanité. Il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comment sortons-nous de cette situation? Comment sortons-nous de cet état? Comment obtenir le pardon de Dieu et le salut de Dieu? Il dit dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés parce que nous n'avons rien à payer pour le salut. Le salut est si coûteux que nous n'avons rien dans la main pour dire, je vais payer pour cela, donne-moi ce salut. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de nous détourner du péché, c'est de se repentir de nos péchés et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce soir, vous n'avez pas encore goûté à la paix qui vient avec le salut, vous n'avez pas encore goûté à la joie du salut, vous pouvez venir ce soir. La porte est ouverte pour tout le monde parce que ce pardon vient gratuitement. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. C'est lui qui a apaisé le Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui a fait l'expiation pour nos péchés. C'est lui qui, par sa souffrance, est devenu notre substitut. Et Dieu l'a envoyé pour être victime propitiatoire, afin de monter, pour être l'agneau pascal, pour être le substitut, par la foi en son sang. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, quand vous invoquerez le nom du Seigneur sincèrement, de tout votre cœur, le pardon vous parviendra, le salut vous parviendra, une nouvelle vie vous parviendra. Voyons dans le verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En 1 Jean, chapitre 1er, 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous cessons de confesser les péchés d'autrui, si nous cessons de juger les autres, si nous cessons de condamner les autres, comme les pharisiens le faisaient, maintenant nous regardons notre vie et nous disons, je veux maintenant penser à ma propre relation avec Dieu, et vous confessez vos péchés sincèrement, et vous confessez entièrement, vous confessez avec la pensée d'en sortir et de vous en débarrasser pour ne plus demeurer dans le péché. Vous ne pouvez pas dire que le péché va continuer et que la grâce de Dieu va continuer pendant que vous demeurez dans le péché. Si nous confessons et abandonnons tous nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Combien d'iniquité? De toute iniquité. Comme le faisons sincèrement, il nous donnera ce pardon et ce salut et nous serons justifiés au nom de Jésus. Deuxième élément, la liberté et la sanctification par Jésus. Quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Il nous dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Il nous purifie, il nous lave, il nous purge, il nous purifie, il nous sanctifie. Il dit, mais vous avez été sanctifiés. Quand vous venez au Seigneur, premièrement, il vous donne le pardon. Et avec ce pardon, il vous donne la grâce d'aller et de ne plus pécher. Voyez Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Et répondit non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand nous naissons de nouveau, il nous donne la grâce d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une vie juste. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est réellement en Christ, jeune ou vieux, enfant ou adulte, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la grâce de Dieu qui vient dans notre vie nous amène à aller et ne plus pécher. Voyez le verset 12. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un suit Christ, nous menons une vie qui est affranchie de tous les péchés du passé. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas. Celui qui me suit, tu suis le Seigneur, tu communies avec le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Ne les amenez pas au tribunal. Femmes, Marie, aimez vos maris. Ne les conduisez pas au tribunal. Et ne dites pas qui nous sépare,
qu'il divise tout. Aimez-vous même comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi est-ce qu'il s'est livré lui-même pour elle, l'Église? Pour ceux-là qui sont sortis du monde et qui nous amènent dans l'Église. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole. C'est pourquoi il allait à la croix pour nous. C'est pourquoi il a versé son sang pour nous. C'est pourquoi il s'est livré lui-même pour nous, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Maintenant, dans le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans conflit, église sans division, église sans désunion, église où les familles ne se conduisent pas au tribunal, église où il n'y a pas de bagarre à l'interne, église où les enfants respectent leurs parents et les parents prennent soin des enfants et les membres prennent soin les uns des autres et la nature adamique est ôtée et il n'y a pas de querelle, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas d'insubordination. Sanctifiée église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je prie que cela soit effectué dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, il le fait encore aujourd'hui. Il l'a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Comme il intercède pour chacun de nous, il sanctifie. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Mais vous avez un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer pour que nous puissions avoir cette liberté, cette sanctification par le Seigneur Jésus-Christ. En Hébreux 13, verset 12. Parlant de lui, Christ, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Quand il y a la sanctification, il n'y a pas de querelle. Là, il y a la sanctification, il n'y a pas de violence l'un contre l'autre. Quand il y a la sanctification, il n'y a pas de division. Là, il y a la sanctification, nous n'allons pas nous traîner les uns les autres devant les tribunaux. Là, il y a la sanctification, nous n'allons pas nous frauder les uns les autres. Quand il y a la sanctification, il y aura la paix, il y aura la pureté, il y aura l'unité. Et là, nous sommes unis les uns avec les autres. Comment le Père est uni au Fils? Vous ne pouvez pas imaginer Jésus-Christ rapportant le Père aux pharisiens, au monde, de façon négative. Non, il ne peut pas le faire. Alors si nous sommes sanctifiés et que nous avons le même esprit de Christ, la pensée de Christ, le cœur de Christ, nous n'allons pas avoir cette même attitude aussi en causant des divisions, avant ayant des divisions ou ayant des querelles dans nos cœurs contre un frère ou contre une sœur ou contre une épouse, contre un mari. Nous ne pouvons pas résoudre cela dans nos chambres et il faut aller devant les tribunaux pour régler cela. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, dans le verset 13, il nous dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Est-ce qu'il y a un problème? Sortons donc pour aller à lui. Est-ce qu'il y a de conflits? Sortons donc pour aller à lui. Est-ce qu'il y a de défis? Sortons donc pour aller à lui. Et nous, est-ce que nous sentons qu'il y a des soulèvements dans nos cœurs et que dans notre cœur n'est pas en paix, notre cœur n'est pas tranquille, notre cœur n'est pas totalement purifié, n'est pas totalement sanctifié et n'arrivons pas à porter ou supporter ceci, à supporter ceci. Et il faut être très agressif, alors sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et lorsque nous allons de cette manière, avec la sanctification, avec le désir, la consécration, voulant être sanctifiés, il va nous sanctifier au nom de Jésus. Voyez le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Troisième élément avant la prière, la foi
et la fermeté du juste. La foi et la fermeté du juste. Romains au chapitre 1er, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, nous sommes sanctifiés. Par la foi, nous sommes purifiés. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et par la foi et pour la foi, tous les défis qui viennent, nous croyons en Dieu encore. Et nous retournons à Dieu par la foi. Et sa justice, nous continuons à s'accroître dans nos vies. Et elle est révélée de foi en, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. En Hébreux, au chapitre 10, verset 23. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, la foi que nous avions au moment où nous étions sauvés. Retenons fermement, quel que soit l'eau qui passe sous les ponts, retenons fermement la profession de notre espérance. La première fois que nous sommes venus dans le royaume de Dieu et la première fois que nous sommes venus dans l'expérience du salut, la foi que nous avions, retenons fermement à cette profession de foi avant de rencontrer cet homme qui est maintenant une flèche dans notre chair, avant qu'on rencontre cette femme qui est une flèche dans notre chair, avant d'avoir cet emploi, avant d'aller dans ce voisinage, avant d'aller vers cette personne qui est maintenant tape sur nos nerfs, qui nous rabaisse maintenant. Avant ça, nous avions une profession de foi. Retenons fermement cette profession de foi. Sans être ébranlé, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Toute bonne chose qu'il nous t'a promis, Dieu est fidèle. J'ai dit, toute bonne chose que Dieu t'a promise, Dieu est fidèle. Et personne ne va t'arracher ce qui t'appartient sans que Dieu ne combatte pour toi au nom de Jésus. Retenons fermement dans la foi, vis par la foi et tout ira bien. Ce que le tribunal ne peut pas régler, la foi va régler cela. Ce que la force ne peut pas régler, la foi va régler cela. Ce que les bagarres ne peuvent pas régler, la foi va régler cela. La foi pour la foi, ta vie sera en ordre. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Tu es juste, tu es justifié, tu es enfant de Dieu. Et il t'a sanctifié, il t'a donné la paix du cœur, il t'a donné la pureté dans ton cœur. Et tu es sur la voie du ciel. La main dont nous vivons, c'est de vivre par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, moi je ne vais pas me retirer. Il dit, moi je ne vais pas me retirer. Dis-le pour toi avec confiance. Moi je ne vais pas me retirer. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent pour se perdre, où est-ce qu'ils vont? J'ai dit, ceux qui se retirent là, dans le monde, ils se retirent pour quoi? Pour se perdre. Mais ceux, même vous ne faites pas partie d'eux. Moi, je ne fais pas partie d'eux. Mais nous ne faisons pas partie d'eux. De ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce salut que Dieu nous a donné, nous allons demeurer en toi au nom de Jésus. Et comme nous évoluons en marchant sur la voie du royaume, et Christ est sur le point de revenir, quand il reviendra, il te trouvera dans la foi, il ne te retrouvera pas te battant au nom de Jésus. Et toute la bonté de Dieu qui t'a promise, il accomplira toutes les promesses qu'il t'a faites, et personne ne pourra t'arracher ton héritage au nom de Jésus. Donnez-moi un grand, grand Amen. Levons-nous maintenant et nous allons parler à Dieu dans la prière.